Bonjour, je m'appelle Léa Wavenel, j'ai 27 ans et je viens de soutenir ma thèse en physique, spécialité mécanique des fluides et énergétique. J'ai réalisé un parcours universitaire, c'est-à-dire que j'ai fait un master avant d'enchaîner sur ma thèse. C'est une thèse CIFRE, donc ça veut dire qu'elle est financée par une entreprise. Dans mon cas, c'était Safran Aircraft Engines et elle a été réalisée au laboratoire Coria, encadrée par l'Unita d'Anaïla et Bruno Renaud. Au laboratoire, on travaille sur la combustion pour améliorer la prédiction des polluants et pour diminuer donc, l'émission de ces polluants et de la quantité de combustible qu'on va utiliser. Donc moi, je n'ai pas travaillé directement sur les flammes, j'ai travaillé sur le mélange, parce qu'en fait, le mélange est extrêmement important dans la quantité de polluants qu'on va prédire. Donc dans mon cas, j'ai travaillé plus particulièrement sur les effets de la viscosité. La viscosité, c'est une propriété qui est intrinsèque au fluide, c'est-à-dire que comme l'air et l'essence sont deux fluides différents, leur viscosité va être différente. Et jusqu'ici, on ne tenait pas compte des effets de la viscosité sur le mélange. Et en fait, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'en fait, la viscosité avait vraiment un rôle sur le mélange et donc du coup sur la localisation à laquelle va se trouver la flamme. Donc moi, j'ai réalisé des mesures pour pouvoir finalement à terme prédire à quel endroit on va avoir un mélange optimal pour la flamme et donc à quel endroit elle va se localiser. Donc ça a un intérêt notamment pour les applications moteurs, aéronautiques, etc.